Bonjour à tous, c'est Actimel 2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une ouverture provenant du Japon. Je suis trop contente, j'ai mis je sais pas combien de temps avant de recevoir ce colis. Plus d'un mois et demi presque, presque 2 mois. Voilà, je l'ai commandé sur le site cartepokemon.com si je me trompe pas. Et disons que j'aurais dû le recevoir en même pas une semaine. Normal, mais vous savez que malheureusement il y a la guerre en Ukraine et la poste japonaise avait décidé, donc à l'époque que j'avais commandé, d'annuler les vols, voilà, en tout cas les vols commerciaux pour l'Europe, parce que bah, ils avaient peur de survoler la Russie, l'Ukraine, tout ça c'est normal. Donc mon colis il est resté plusieurs semaines au Japon. Ensuite, donc le fameux site, soit j'attendais qu'il y ait une amélioration en espérant que la poste japonaise revole, soit bah, FedEx. Et bah, FedEx, c'est le début de la fin. Donc j'ai payé en plus pour FedEx. Et disons que le colis pour aller en France n'a même pas pris un jour, même pas. Et il est resté de fin mars jusqu'à là on est mi-avril à Paris. j'en ai marre. Un coup c'était écrit retard, un coup c'était écrit problème de douane, un coup c'était marqué bah il reste au bureau, il est bien au chaud, voilà. Ensuite il est parti, il est venu jusqu'à chez moi, enfin dans la zone où l'aéroport. Ensuite il est reparti à Paris, après il a parti quelque part d'autre en France. J'en peux plus. Je les ai appelés, j'ai envoyé plusieurs mails et tout. Les mails, aucune réponse. Quand j'ai appelé, toujours rien. Et après, j'ai fait le chat en direct. Et là, bizarrement, le lendemain, mon colis, il a bougé. Et 2 jours après, je l'ai reçu. Bordel. Mais malheureusement, c'était FedEx. C'est pas... voilà. Donc, voilà. Ma galère. Tout ça pour ça. Voilà, un petit colis. Vous voyez ma main, c'est vraiment un tout petit colis. Donc... pour tester ce site que je ne connaissais pas, donc au final le colis était impeccable avec 3 tonnes de stickers dessus, hein, bien évidemment, hein, rester presque un mois à Paris, c'était en fait des autocollants. Mais la display comme vous pouvez la voir, elle a rien, le colis il avait rien, il était vraiment bien, bien emballé, tout était nickel. Et pour une première commande, ben, j'avais testé une petite display, et, parce que j'adore Brasegali, et j'ai pris une carte à l'unité pour voir un peu. Et maintenant, je vous dis, hein, je vais attendre que la poste japonaise revole, hein, parce que je passe plus par FedEx, hein, c'est fini. Et donc voilà, j'ai pris Brasegali, donc je me demande, je crois que c'est de cette extension-là, donc c'est VMAX Climax, donc S8B. Donc dans le doute, parce que je me suis dit, est-ce que je l'aurai pas, donc je vais tenter. En plus, elle a pas coûté cher la carte, donc je suis ultra contente. Voilà, super Brasegali, je l'ai reçu comme ça, hein. Il était emballé donc dans une protection normale, donc le top loader, et ensuite il était emballé dans du carton, un carton rigide, et après tout entour et tout le papier bulle, enfin bref, tout était dans du papier bulle. Donc nickel, la carte elle est pas abîmée, display non plus, donc voilà. Et là la fameuse display VMAX Climax, donc c'est du galard. Donc je vous cache pas, hein, que j'ai mes anti-sèches à côté, parce que Pokémon de galard c'est... voilà, hein, les noms je les connais pas. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir, voilà, la display. Donc faire attention, pas se couper les doigts. Donc c'est une petite display. Je sais pas combien de... je sais plus combien il y a de paquets dedans. Mais je crois que il y a 10 cartes. 10 cartes dedans. Donc voilà comment ça se présente. Ouais, je crois qu'il y a 10 cartes. Et combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bon, on va me dire que je suis folle. J'ai commandé pour 10 boosters. 10 boosters. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Hein, une display japonaise. Voilà, je suis ultra contente. Comment je vais faire pour la présentation? Oh, je vais les sortir. Je vais les sortir de la boîte. La boîte elle-même, elle est très belle avec des Pokémon voilà, dessus un peu partout.
Donc, je crois qu'il y a 11 cartes. Ben, je crois que c'est l'équivalent des boosters de chez nous. Donc voilà, très arc-en-ciel, très coloré, j'adore, c'est magnifique. Et dedans, il y a la possibilité d'avoir les cartes gold, comme j'avais déjà pu en avoir une, je crois que c'était Chifour. Ouais, je crois que c'est lui. Donc noir et gold. Dedans, possibilité d'en avoir d'autres. C'est du lourd. Et il y a mon super poulet là-dedans. Maintenant, je vais zoomer. 180 cartes plus. Bon, après, je ne lis pas le japonais. Voilà. Donc, je ne connais pas l'ordre des cartes. Si je dois le faire comme le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je ne sais pas. Donc, on va voir. Ça sera un booster test. Ah, ça faisait longtemps. Ah, ça me manquait trop de faire des ouvertures. Donc, je ne sais pas. Oh, bah, c'est beau ça! Je sais pas si on arrive bien à la voir à la caméra, mais la carte énergie, elle brille. Elle est magnifique. Donc, énergie qui brille. Donc, je vais la mettre sur le côté. Voltorb. Conconfort. L'armée Léon. Ah, ça c'est le fameux président. J'ai plus le nom. Alors là, les noms ne me demandez pas. Hein. Vous le reconnaissez. Voilà. Un filet. Une énergie. Oh là! Nous avons... Ah, il n'y a pas les symboles, je viens de voir. Donc ça, à mon avis, ça doit être la rare. Donc c'est une holographique. Et c'est le fameux cerf. Alors là, le nom. Franchement, la génération noir et blanc, j'ai pas. Voilà, c'est là que j'ai lâché. C'était venu n'importe quoi. Donc, une holo, ok. Deux holos. Non, là, je comprends pas. Là, je crois que c'est le maître. Deux holos? Comment c'est possible? Ok. Mais c'est quoi ça? Astronelle, ok, bon, pourquoi pas, c'est juste du n'importe quoi, et bon, ok, voilà, bon, ça change d'une ouverture que j'ai faite, que je n'ai pas, enfin, j'ai filmé, mais je n'ai pas posté, parce qu'elle était n'importe quoi, donc une secrète, très bien, avec un maître de ligue, champion de ligue, voilà, je suis trop contente, avec Branette. C'est juste du n'importe quoi. Voilà. Deux holos, une V et une secrète. Bon. Bon, apparemment, le classement, il est bon. Je crois que je n'ai rien à changer. À moins que je dois changer la dernière et la première. On verra sur le second paquet. Mais en tout cas, ben, je regrette pas. Ça commence bien. Il y a énormément de cartes pétées là-dedans, mais un truc. Oh yes, à chaque fois une énergie qui brille. C'est tellement beau. Vous voyez, c'est tellement magnifique. Ça fait effet métallique. C'est juste magnifique. Norféo. Ça. Ah, Charmini. Non, Crémy. Crémy, Crémy. Oui, j'avais triché. Encore Morpheo. Alors, combien de cartes? 180 cartes. Et ah, c'était ça, les points d'interrogation, et on ne sait pas combien de secrètes. Bon, bah voilà pour l'extension. C'est écrit 184. 184 cartes. Et l'autre, 97. Ouais, c'est bien une secrète. Donc, Morpheo. Alors, ça, l'extension, je ne l'ai pas acheté. C'était le DLC où ils sont dans la montagne, tout ça. Je n'ai pas acheté parce que je me suis dit, c'est bon, quand on fait un jeu, on le fait entièrement et on ne s'amuse pas à faire des DLC après. Mon mécontentement. Des gants. Une tour. Belle de neige en holographique. Oh! Alors lui, alors là, la pomme. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je le trouve nulle part. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, c'est une petite pomme. Oui, je suis en train de tricher, mais bon, pour la bonne cause. Et je crois que j'ai même pas son nom d'ailleurs. Non, je ne le trouve
pas. Bon, bon, on va l'appeler la petite pomme. Voilà. Parce qu'il y a vert pomme, dart tatin. Mais lui, je crois vermi pomme, un truc du genre. Ah, je sais plus. Holographique. Donc, nous avons deux holographiques en fait par paquet, apparemment. Ensuite. Ah, ça va péter, hein. Rayquaza, full art. Full art, les gars. Rayquaza. Oh, je suis trop contente. Ah, ça me refait. Ça me refait parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu une très mauvaise ouverture. J'avais ouvert un coffret Dresseur Elite qui était horrible. Là, ça me refait. Je suis trop contente. Et pour finir. Oh! Sépia top. Oh, vous avez vu l'effet? Oh, c'est trop mignon! Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, ce petit effet écaille. Est-ce que l'autre. Maintenant, il faut que je regarde. Donc la dernière carte. Ah non, alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas pourquoi ça brille comme ça. Donc ça brille. Voilà. Je vais la mettre là parce qu'elle brille. Donc apparemment, il faut que j'échange la dernière carte avec l'avant-dernière. Voilà, on va faire ça. Et on est. Voilà. Ça va. Il nous en reste encore pas mal à ouvrir. Oh là là, je suis trop contente. Donc. Allez, je garde les boosters. C'est. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'échange l'avant-dernière et la dernière. Comme ça. Bon, on va voir. Normalement, c'est ça. Bon, allez, encore. Ouais, alors toutes les énergies brillent. Ça, c'est magnifique. Malos. Ah ben là, elle brille pas. Regardez. Spiatop. Vous voyez? Voilà. Elle brille pas, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est une sorte de reverse bizarre, je sais pas. Pourtant, elles ont le même numéro, donc je comprends pas. What, what? Une énergie. Oh, c'est tous les copains. Tous les copains. C'est Pietros. En holographique, ça c'est bien. C'est généralement dans la display précédente que j'avais commandé, c'était point de fusion. J'avais quasiment toutes les holographiques. J'avais à peu près toutes les cartes, à part quelques cartes V et quelques secrets. Sinon j'avais quasiment tout, donc ça c'est très bien. C'est pour ça que maintenant je préfère commander du japonais, parce qu'au moins j'ai pas des bouts de collection. J'ai, on va dire, une bonne collection et après la chance pour les ultras. Donc. Ah, oh, comment il s'appelle lui? Je me rappelle plus. Oh, et en plus il y est dans le Pokémon. Golégon. Oh, je sais plus. Je me rappelle vraiment plus. Non, il y a des Pokémon, ils m'ont échappé. Ça fait longtemps que je collectionne, donc bon. Cresselia. Holographique, pas mal. Donc ouais, c'est bien confirmé. Deux holos. Ensuite, oh, ah bah, c'est Pietros, dans le même effet. Vous voyez? C'est trop bizarre. Et pour finir, en rare, oh, Elector, oui, c'est Elector. Ne me demandez pas pourquoi, hein, Elector de Galar, qui est comme ça. Donc bon, si à chaque fois on a une ultra dans le paquet, franchement, ça vaut la peine. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a des collections. Où on peut avoir dans tous les boosters une grosse carte. Donc ça c'est pas mal. Donc peut-être que celle-ci elle en fait partie. Parce que honnêtement, je vous cache pas. Hein, je suis allée sur internet. Donc j'ai vu qu'ils vendaient sur le site plein de displays de n'importe quelle extension. Et je suis allée voir. Donc ça à l'époque, parce qu'après entre-temps il y a eu les nouvelles cartes du Pokémon Arceus. Mais ça faisait partie des dernières displays. Celle que j'ouvre maintenant. Et j'ai regardé sur internet pour voir un peu les cartes qu'il y avait dedans, vite fait, parce que si ça m'intéresse pas, je vais pas commander. Il y a des extensions au Japon où c'est des cartes qu'on peut trouver ici, ça m'intéresse pas trop. Et là, il y a pas mal de choses qui étaient intéressantes, mais je savais pas que c'était un truc exceptionnel non plus. Donc voilà. Grosse surprise, je suis contente. Encore des énergies, mais là, des énergies qui brillent, comme ça, voilà. Archéomyr. Ah, Archéodong!
gong, tout du genre. Aquali, hexadron, ne me trompe pas, les petits bonhommes. Et une carte objet. Ah bah si, la fameuse, j'ai plus le nom. Une énergie. Octillerie, si je me trompe pas. Ah oui, je vais souvent me tromper, hein. Un holographique. Et oh, Ketelaria en full art. Pourquoi je dis oh? Pourquoi? Parce que quand il y a eu l'apparition des full art, il y a très très longtemps de cela, Ketelaria fut ma première full art. Ma toute première full art. Donc c'est pour ça qu'elle a une petite place dans mon cœur et je suis ultra méga contente. En plus, elle a pas changé, c'est exactement ça. Elle est juste magnifique, je suis trop contente. Ensuite, Quatermac en mode bizarre, qui brille, je suis très contente. Et oh, Silver Roy avec son lapinou dessus. Donc vous voyez un peu, j'ai plus de place tellement qu'il y a de cartes partout, de grosses cartes dans chaque paquet. Donc ouais, c'est une grosse carte minimum par paquet et des cartes un peu bizarres. Pour moi, ça fait effet McDo. Et carte du McDo dedans. Donc je suis très très contente. Ah, je vais faire un résumé de toute façon. Il y a tellement de choses. J'ai pas encore eu mon poulet. J'ai pas encore eu mon poulet. Voilà. Bon, je l'ai commandé à part parce que voilà, je voulais me faire plaisir et je voulais tester aussi en commandant des choses différentes. Donc, voilà, dans le pire des cas, j'ai mon poulet. Alors, énergie, Aspico qui fait des abdos, Hypocéan, Quatermac qu'on vient d'avoir en ordinaire, une boule, un cimetière, une aventurière. Oui, là, me demandez pas. Oh, la Gouroutant. Un holographique. Ensuite, oh, Dracaufeu holographique, les gars. Voilà, c'est toujours Dracaufeu. Il est très, très beau, très stylé. Super contente. Ensuite, nous avons... Oh, une secrète avec Quatermac. Voilà. Qui est pété de muscles. Je savais pas autant. Oh là là, mais regardez, comparé à son dresseur à côté, il est au bout de sa vie. Oh, mais c'est une montagne de muscles. Donc une secrète, pas mal. Et pour finir, en rare, je l'appelle la tour TF1. Et malheureusement, je suis en train de chercher son nom sur le téléphone. Parce que bah, c'est la tour TF1 quoi. J'ai pas le nom. Ah ouais, faut que je trouve un peu les noms quand même, ça craint sinon. Un Pokémono peut-être, non? Bon bah j'ai pas le nom, bah il restera à jamais Tour TF1. Voilà, à Tour TF1. En carte V. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de grosses cartes sur le tapis. Et là on est à la moitié de l'ouverture, déjà ça va vite. Mais bon, là, c'est comme si on ouvrait l'équivalent d'un booster français. Donc, voilà, c'est une ouverture classique de 10 boosters provenant du Japon et qui a mis super longtemps à arriver. Merci FedEx. Voilà, et je crois que j'ai quasiment toutes les énergies, ça c'est pas mal. Deden, je l'adore. Au début, je disais que c'était un plagiat de Pikachu, mais en fait, je l'adore, Deden. Il est trop mignon. Depuis que je l'ai vu dans le dessin animé, je l'adore. Evoli, un Reptincelle, ok, un seau, Charmilly, ça c'est l'héroïne, en reverse, ah ben ça c'est l'autre, attention spoiler, le méchant de XY, Team Flair, je me trompe pas, voilà, c'est le boss, Dardanian. Ensuite, nous avons en mode McDo une énergie. Et pour finir. Oh là 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 là. Ah, mais c'est une full. C'est une full art. C'est une full art. Alors, est-ce qu'il s'appelle Chifour? Je ne sais pas. Parce que ça aussi, ça fait partie du DLC que j'ai pas acheté. Donc, voilà. Oh là 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 là.
Honnêtement, si vous avez l'occasion de commander des cartes japonaises, faites-le. Ça vaut la peine. C'est souvent beaucoup moins cher que les cartes françaises. La qualité est juste exceptionnelle. Sur les cartes japonaises, j'avais ouvert une display qui était plus grosse que ça. Elle avait une trentaine de boosters, je ne me trompe pas. Et sur toutes les cartes, aucun bord blanc derrière et tout, magnifique. Voilà, c'est une expérience. Après, peut-être pas tout le monde peut, mais si vous avez l'occasion, voilà. Mais faites attention, il y a beaucoup de sites de contrefaçon, ce genre de choses, ou d'arnaques tout court, où vous donnez de l'argent, vous n'avez rien. Donc moi, je me suis vraiment bien renseignée. Si j'y pense, je mettrai le lien du site en description. Je crois que c'est cartepokemon.com, si je me trompe pas. C'est des cartes qui viennent du Japon. Je me suis bien renseignée. Donc voilà. Donc là, en plus, vous avez vu, la display, elle était scellée. La carte là, elle est magnifique. C'est une vraie full art. J'ai tout bien reçu. Donc voilà. En tout cas, le site que j'ai commandé est très bien. Après, c'est sûr qu'il y a les frais de port, mais honnêtement, bon, j'ai payé énormément de frais de port parce que j'ai payé le frais de port traditionnel qui était censé être la poste japonaise, mais vu que la poste n'a pas pu me l'envoyer, donc j'ai payé un peu pour rien, mais c'était 9 euros. Ça reste, ça va. Moi, je pensais une vingtaine d'euros, mais non. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'était le transport FedEx que j'ai dû payer en plus. Mais ça reste exceptionnel parce qu'on est en période de guerre. Enfin, l'Ukraine est en période de guerre, donc c'est un problème. Donc, normalement, les 14 euros, ils y sont pas. Et juste, j'ai commandé juste une display et une carte. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte, ça fait 300 grammes. Voilà, 9 euros de frais de port, ça va. La display, je l'ai payée moins de 100 euros. Moins de 100 euros, mais je sais pas. Plus exactement le prix, ça fait tellement longtemps. Donc comparé à une display française qui est presque à 200 euros, voilà, je cherche pas à comprendre. Donc même si je comprends pas les cartes, ça reste des cartes Pokémon, en plus faites au Japon. Donc voilà. Rémoré, je me trompe pas. Larvadar, Polichombre, une canne à pêche, une énergie, une dresseuse, en holographique. Conflex. Oh, on continue avec Deimos. Malos en mode McDo. Et pour finir, en rare. Oh, Full Art. Silveroi. Donc me demandez pas quelle forme, de quel machin, de quel truc. J'en sais rien. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est une belle ouverture. Je vais faire péter les protections. Ça va être un truc de ouf. Exceptionnel. Donc énergie à... Alors lui, je l'adore. Monsieur Glaquette. Rien que le nom, il me fait trop marrer. Monsieur Glaquette. Voilà, pour moi c'est The Pokémon. Pokémon épée bouclier. Voilà, c'était mon délire. Blizzardroi. Dracarmin. Je sais plus l'ordre. Un ballon rouge, donc pour ceux qui connaissent ça, le clown, ne le prenez pas. Branette, de la neige, Astronel, je l'avais dit, Astronel, je crois que c'est ça, en holographique. C'est qui? Ah, les Argus, mon lézard, pareil, en holo. Je l'adore, je l'ai pris direct, le petit lézard. J'ai hésité avec le singe. En fait, ils étaient tous bien, mais le lézard, il était trop mignon. Ensuite, la plus belle des secrètes! Elle est magnifique! Elle est ultra magnifique! Je suis trop contente d'Eden! Et pour finir, en rare, Corvallus. Full art. Alors là, ça y va, c'est la fête à la full art. Donc là, maintenant, il reste deux boosters. Donc, j'espère une gold ou mon poulet. C'est voilà, une gold ou mon poulet. Allez, 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 allez. Après, plus qu'un booster. Ça, je l'avais vu. Je l'avais vu, le caillou.
Le caillou. C'est dolmen machin chose. Je le trouvais mignon, mais je savais même pas que c'était un Pokémon à la base. Quand j'avais découvert le jeu. Dolman, ben voilà, Dolman. Jean-Jacques, Dolman. Oui, bon, voilà, Dolman. Frissonnille. Linéon de Galar. Une sorte de corne. Ok, une dresseuse. Encore une tour. Donc là, me demandez pas. Hein. Électrode en holographique. Ensuite, Chifour, je pense, ou un autre nom. Oh, je pense que c'est Chifour, je sais pas. Oh non, la corne en mode McDo, c'est nul. Oh, c'est vraiment nul. Et pour finir, Noctali en carte V. C'est pas mal, bon, ça reste pas avant. Ça reste pas mon poulet. J'ai la malédiction du poulet. J'ai la malédiction du poulet, c'est comme ça. Je l'aurai jamais. Si je l'achète pas, je l'aurai jamais. Donc, dernier booster de VMAX Climax. Ça valait la peine d'attendre autant parce que c'est une grosse surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir une pluie de grosses cartes. Voilà, je m'attendais pas à une pluie de grosses cartes. Énergie, Teraclope, l'énergie, Morpheo. Encore un plateau d'énergie. Et des énergies, bah ça y va. Oh bah la fameuse adresseuse, celle-là. Oh, Gardevoir en holographique. Cerifleur en holographique. Ensuite, non, Morpheo McDo, tu pues. Je t'aime pas. Je t'aime pas, Morpheo. Et pour finir, en rare, ah, Zoroura. Oh, il est dans Pokémon Unite. Oh, les effets des cartes sont juste. Juste sublime. Donc voilà pour cette ouverture. Donc je vais faire un débrief parce que là c'est juste what the fuck. Oh bah allez, regardez, regardez. C'est la première fois que j'ai autant de grosses cartes. Plus je vais les manier avec précaution. Là c'est Secret, ça c'est McDo. Hop. Ou non, c'est pas vraiment McDo, mais moi je les appelle McDo quand même. Voilà. Eh ben dis donc, on va s'en sortir, hein. Et bien sûr, les holos. Donc voilà, c'est juste magnifique. Donc là, autant j'ai quasiment toutes les holos, je ne sais pas. On verra. Donc les voilà, les voici. Oh, je ne vais pas vous les reciter, hein. Je vous les passe vite fait. Donc ce sont bien des holographiques, hein. C'est pas des foil art. Ça brille de ouf, mais c'est bien des holos. Donc j'en ai énormément. C'est. Et je crois que j'ai pas eu de double. Non, pas de double. C'est fou ça. Super bien. Là, c'est ce que j'appelle carte McDo parce que elle brille bizarrement. Donc là, pareil, je n'ai pas eu de double, si je me trompe pas. Non, pas de double. Donc je comprends pas cet effet. J'avais 10 paquets. Non, non, pas tous les paquets, il y en avait. Donc en fait, elles ont pris la place d'une full art ou d'une carte V. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Je sais pas l'intérêt de ces cartes. Ensuite, en carte V, c'est pas mal. J'ai pas eu mon poulet, mais heureusement que je l'ai acheté à part. Donc Elector, Astronel, Silveroy, la tour TF1, Noctali, Zeraora. Oh, on sort plus. Ça, c'est les fameuses secrètes avec les dresseurs. Deden, Branette et Quatermac. Juste magnifique. Celle-ci, pour moi, c'est ma préférée. Voilà, j'adore. Elle est juste magnifique. N'hésitez pas à voilà, laisser des commentaires pour ce que vous en pensez de cette display. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Et là, c'est juste insane. Le nombre de full art.
C'est bien des foulards que je tiens entre les mains. Et j'en ai 5. Donc c'est, ouais, un paquet sur deux. Parce que j'ai 10 boosters. Voilà. La moitié du paquet, c'était des foulards. Super Rayquaza, Ketelaria, Corvallus, Silveroy et Chifour, si je ne me trompe pas. Donc je suis ultra contente. Et ouais, j'ai pas compté les V. 6. Voilà, 6 cartes V. Et ça, je l'ai acheté à part. Mon Brazegali. Je suis trop contente. Sans compter aussi, et là, ça, j'adore, les énergies métalliques, comme ça. Sont juste sublimes s'ils pouvaient faire ça en France. Je trouve ça tellement classe de jouer avec des énergies qui brillent, enfin bref. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, je me suis éclatée. C'était la grosse surprise. Ça a mis le temps à venir, hein. Ça a mis le temps, mais voilà, la surprise est là. Parce que je ne savais pas que j'allais avoir autant dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si YouTube le veut. Ah, si YouTube le veut. C'est toujours pareil, en tout cas moi j'adore. Ou n'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire sur Instagram. Là au moins c'est sûr que ça passera. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je suis trop contente. Voilà, faites péter les pouces bleus. Faites péter les pouces bleus. C'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion, commandez au Japon. C'est extraordinaire. C'est magique. Donc voilà, je vous dis à plus et prenez soin de vous.